Bonjour à toutes et à tous, ici Aishotix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une grande question, les gens. Faut-il vraiment avoir un sujet pour faire une vidéo? C'est la question que je vous pose, donc vraiment n'hésitez pas à répondre rien qu'à cette question dans les commentaires. On se retrouve pour une deuxième fois parce que je viens de faire la première recette de cette vidéo qui s'est avérée assez à chier parce que il n'y avait pas de son, l'autre gugu sur Skype, on l'entendait pas, bref, voilà. On se retrouve sur Xbox 360 Black Ops 2. Je me le suis racheté hier. Tout simplement parce que voilà, j'avais tout revendu mes jeux du fait que j'avais besoin d'argent, bref, blablabla. On va partir d'abord par une domination, et ensuite on fera un hardpoint, je pense. Donc le temps de game, le temps d'une vingtaine de minutes. Et justement, le sujet finalement, parce qu'au final c'est assez paradoxal, vu que la question parle de faut-il vraiment avoir un sujet pour faire une vidéo, et en fait le sujet que je vous présente, c'est le sujet. Enfin, c'est la question plutôt. Donc voilà. Je suis aussi en même temps en live sur Gamer Connection. Donc du coup, les gens sur Gamer Connection, dites-moi si le son du jeu est trop fort, comme ça je baisserai. Dites-le-moi assez rapidement, comme ça, à part ça, il m'a l'air super fort. Hein. Je vais déjà le baisser en fait. Je vais déjà le baisser parce que je sens qu'il serait déjà trop fort. Donc voilà, dites-moi si c'est good maintenant. Et bref, on va parler un petit peu avec Range qui est avec moi, mon graphiste personnel. Non, je rigole, c'est pas du tout mon graphiste personnel, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait de choses ces derniers temps. On va commencer par la MP7, qui m'a fait beaucoup de choses pour mes streams principalement, mes bannières. Putain, il y a un aéronef, c'est relou ça. Pour mes live streams, surtout comme vous pouvez voir juste en dessous de moi, il y a une superbe animation juste ici. Je pense que c'est un truc le plus compliqué que tu m'as fait, non? Là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, c'est le plus Salaud. compliqué, ouais. C'est vrai que c'est... T'arrives et tu dis même pas bonjour, ok. La Oui, poulie. bonjour, bonjour tout le monde. Ah Non, ouais, mais... c'est vrai, le saut du pingouin. Ouais, non, c'est pas été super, super difficile à faire, mais... Bah, Après, en fait, c'est pas que on a c'est un peu compliqué, galéré, c'est que on a c'est été un long, peu... En fait, non? on a un peu galéré avec les fonds verts, en fait. Ouais, En fait, pour faire que, en c'est sorte que vrai. l'animation derrière, il n'y a rien. Ça, c'est transparent. Et du coup, sur OBS, on a fait ça avec OBS, avec XSplit, on pouvait pas. OBS, on pouvait Avec... pas. Non, on Ouais, a fait ça. ça avec XSplit, parce qu'avec OBS, on pouvait pas, voilà, ça. Et Voilà. ouais, du coup, on a dû mettre un fond vert, parce qu'à la base, j'avais mis un fond noir, et ça cachait Il est des pas mort. trucs. Et du coup, ouais, c'est surtout ça qui était casse-couille, mais sinon, non, ça allait. Mais finalement, on s'en est sorti. De toute manière, c'est bien parce que te faire faire des choses comme ça, au final, c'est des choses que je pense très peu de gens te demandent, voire personne. Parce que moi, je suis relou, vous savez. Moi, je demande des trucs que personne ne fait habituellement. Ah, Et il est très du coup, casse-couille. maintenant, si quelqu'un lui demande, ou même son école de graphisme lui demande de faire un truc similaire, eh ben, il va pouvoir penser à moi en lui disant: Ah, le mec qui est trop chiard là. Ouais. J'ai fait ça pour lui. Je sais comment faire. Bon bah malheureusement cette petite vidéo en live, je voulais la faire vraiment en mode redécouverte de la console et de la manette parce que ça faisait 7 mois à peu près que je n'avais pas touché une manette d'Xbox 360 et du coup pas touché d'Xbox 360 tout court hein, généralement, enfin logiquement, enfin je sais pas trop quoi dire. Ils sont combien en face? Ils sont plus de 3 malheureusement, putain t'es sérieux. Et donc malheureusement, bah vu que la première vidéo j'ai eu un problème de son, blablabla, enfin bref, plein de petites galères, j'ai pas pu malheureusement bah vous proposer cette vidéo-là. Et donc bah je la refais en fait après la demande des viewers parce que j'hésite à la refaire vu que c'est vraiment une vidéo qui est faite en live spontanément. Donc j'étais assez réticent sur le fait de la refaire, mais en tout cas, je la refais parce que les gens veulent voir cette vidéo. Mais avant ça, les gens qui sont sur mon stream actuellement, on est combien sur mon stream? On est 20, donc merci encore une fois les gens. Finalement, vous allez même pas voir la vidéo. C'est ça qui est dommage, parce que vous la voyez déjà maintenant. Mais bon, passons. Pourquoi tu ne lis pas les commentaires sur GC? Tout simplement parce qu'avant, il y avait un mec toxique qui est venu en mode... Ah, ils ont tous quitté. Ah, ça join. Ouais, mais vous aussi quittez. Ouais, bon, ouais, bon, on verra. Bref, il est venu sur mon stream, tout ça, pour venir m'insulter bêtement, gratuitement. Donc, en fait, ça m'a saoulé parce que je voulais le kick, mais vu que quelqu'un était venu sur mon chat
avant moi. Et c'est ça le problème de l'IRC actuellement. C'est que quand quelqu'un vous se connecte avant vous. Et ben. Oh putain, j'ai un aéronef! Oh là là, t'es sérieux? J'étais même pas au courant. Ah ouais, mais les mecs vont quitter. Vont quitter quoi. C'est le jeu qui fait des cadeaux comme ça, à tous. Et du coup. Putain, je sais plus quoi regarder. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh putain, C4. Heureusement qu'il a pas fait exploser. Et ouais, il est venu pour m'insulter et puis je pouvais pas le kick parce que j'étais pas modérateur de mon propre chat du fait que c'est un IRC. Mais ça changera bientôt les gens, comme j'ai déjà pu le dire. Fin août, début septembre. Là, non, on va pas prendre le. Ouais, vas-y, on prend le point. Non, si je vais pas dessus, bah il le prendra tout seul. Mais j'ai. Oh putain, j'ai aussi mis ma micro en même temps. Et bref, GC, ça va changer. La refonte du site sera. C'est quoi ce camo? Oh le camo de ouf! Oh mec, ce camo il bouge en fonction de tes mouvements. Mais non, c'est un camo qui il bouge de tout le temps. En fait, il bouge tout le temps en fait. Hein. C'est non, quand tu bouges pas, il bouge pas. Non, quand tu bouges pas, il bouge pas. Par contre, quand tu vas à droite, à gauche, il bouge en fonction. Eh, c'est trop stylé ça! Tu parles duquel en fait? Un camo vert fluo. Genre extraterrestre quoi. Oui, parce qu'il y a du liquide dedans. C'est pour ça en fait quand tu bouges. Ouais, du liquide. Ouais, c'est normal. C'est une arme. Même avec le camo. L'arme tire des balles, mais il y a du liquide à l'intérieur. Enfin, je vois pas qu'est-ce qui te dérange là-dedans. Ça fait un peu jouer le gamin en fait, en plus. Mais c'est un des camos qui est sorti récemment, logiquement, vu que j'ai jamais vu. Oui. Parce que j'ai vu que des camos ont été sortis incessamment sous peu. Hein. Bref, parlons un petit peu du sujet de cette vidéo. Qui est tout simplement ma fameuse question du fait que faut-il avoir un vrai sujet. Oh là là, je suis trop fort. Avoir un vrai sujet pour faire une. Oh non. Oh, ça va être sale ça. Oh putain, la vidéo. Oh putain, ça se finit. Oh vite, faut que je lance mes swarms là. Bah oui. Bon bah, je suis mort. Bah oui, je suis dans leur camp. Je regarde même pas derrière moi. Blablabla. Bref, le temps, est-ce que. Oui, j'aurai le temps de faire un ou deux kills, j'espère, du moins. Même pas, t'es sérieux, j'ai même pas eu le temps de faire un ou deux kills. Dégoûté. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Bah voilà, en fait, moi je pense que non. Parce que le fait d'avoir. En fait, c'est vraiment ce genre de vidéo qui manque de temps en temps. Parce que. Attends, faut juste que je les mute, eux. Parce que vous savez, généralement, quand on regarde une vidéo, il y a généralement un sujet, on parle d'un sujet précis. Qu'on parle de la guerre en Palestine actuellement, qu'on parle du nouveau Call of Duty auquel je vais vous en parler parce qu'on me demande mon avis. Bref, d'ailleurs fais-moi penser, Range, d'en parler un petit peu après d'Advanced Warfare. Et du coup, avant en fait, si vous voulez, genre l'année passée encore, l'année passée surtout, j'étais vraiment à fond sur Code QG, je regardais beaucoup de jeunes youtubeurs. On va mettre un hard point, j'ai dit, après la domination, malgré que j'ai commencé en pleine partie. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je disais? Parce que moi, je me perds tout le temps. Ouais, je disais que j'étais pas mal sur Code QG l'année passée, et je regardais pas mal de leurs vidéos, etc. Et en fait, quand des gens vont sur Code QG pour présenter une de leurs vidéos, à prendre le sniper un petit peu sur la map turbine, et ben ils ont un sujet. C'est des swarms, non, c'est juste un. Je vais faire boum! Oui, je vais faire boum. J'ai entendu le petit titit là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Et en fait, à chaque fois qu'ils faisaient une vidéo, pour passer sur Code QG. Il faut avoir un sujet en fait. Et moi-même, hein, j'avais tenté de passer sur Code QG. J'ai essayé de récolter les 200 points. Merde, j'ai pas pu. Et en fait. Oh, je voulais le cut. Bon, tentative ratée. Et en fait, avec le temps, moi je me dis que finalement, on n'est pas vraiment obligé de faire un sujet. On peut faire une petite vidéo live sympa comme ça. Assez en mode pépère, en mode tranquillou. Et ça peut être tout aussi sympa qu'une vidéo à ce sujet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi je trouve. Parce que toujours avoir des sujets, c'est bien. Mais moi en fait, à l'époque, quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, à mes souvenirs, j'avais pas vraiment de. Oh, il est pas marrant, il veut me cuter. Vas-y, toi tu tentes. Et voilà.
Mais en fait, si vous voulez, bah moi je pense que oula, y a. Why not? Moi je pense qu'il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que t'en penses toi, Range, de ça? Je te redemande vu que la vidéo n'a pas été postée la première fois, hein, tu comprends le délire. Quoi, il n'y a pas Donc, assez de vidéos comme ça? qu'est-ce que tu penses d'abord en général de ces vidéos sans thème particulier, vraiment des vidéos auxquelles on joue en live comme je suis en train de faire actuellement. Je vais arrêter de prendre le sniper parce que je me fais juste dépop. Moi personnellement ça me je trouve ça bizarre parce qu'en fait après ça dépend si la vidéo est enfin on dirait ordonnée ou pas, t'es en gros si le mec parle de tout et de rien, ça peut aller tu vois. Mais je sais pas si toi c'est pareil, moi ce qui me fait plus chier c'est pas que le mec parle de tout et de rien. Mais c'est pas. Des fois toi ça t'arrive, mais sans t'en rendre compte, c'est genre tu parles d'un truc qui fait ah oui les gars, j'ai un truc à vous dire. En fait le truc c'est que. Et en fait. Tu parles, en fait, tu sais, le mec, des fois, finit pas ses phrases, et après, genre, il parle d'un autre truc. Oui, Justement, ça c'est mon gros problème. Ça c'est mon gros comme problème ça à part, moi. comme ça pas un thème particulier, la vidéo, en gros, il parle un peu de tout et de rien, il a plein d'idées dans la tête. Et Il du se coup, coupe comme à c'est chaque fois. pas ordonné, en fait, il se coupe et il change de sujet. Du coup, toi, tu dis, il va parler de quelque chose, tu fais, yes! Et après, au moment, il fait, en fait, oui, donc, je disais, donc, je suis allé manger chez mes parents. Oh non! Bah là, tu parles tout de suite. Là, tu parles de moi en fait. Moi, j'ai vraiment ce gros problème depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 3 ans. J'ai toujours eu ce problème que dans ma tête, il y a. En fait, je parle d'un sujet. Et en fait, normalement, je suis théoriquement censé faire une transition, mais vu que je pense à faire une transition d'un truc, mais après il y a encore un autre truc qui vient tout de suite, et j'ai pas le temps de parler du truc en question, qu'au final je me coupe à nouveau pour parler d'un autre truc. Et ça, ouais, franchement, au final tu parles de tout et de rien, mais tu parles à moitié de tout et de rien, parce Voilà, qu'au c'est ça. final t'étais même pas clair dans ce que tu dis. Oh merde, je vais mourir. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui moi-même me fait chier parce que si moi ça m'énerve, ça peut que énerver les autres. Et ça, c'est vraiment un gros problème que je possède déjà moi. Ah ouais, ça, franchement, c'est un truc. Si je pouvais changer un des gros points négatifs par rapport à mon expression, même en général, à part ça, hein, parce que quand je parle à un pote, je parle d'un truc et tout. Après, ça m'arrive de faire une transition directe sur un truc, après directement. Hein, et au final, le mec il est perdu, tu vois. Et des fois, ça m'arrive d'expliquer, genre. Disons que j'ai fait une soirée, tu vois, et puis sur la soirée s'est passé plein de trucs, et que lui il était pas là et je veux lui expliquer de A à Z, Ouais, et du ben coup, en fait je parle à moitié de chaque truc, et à chaque fois que je reviens, je repars sur ce que j'ai dit, et au final le mec il me dit, mais en fait tu pourrais expliquer? Ouais, c'est ça. Et du coup, la majorité des gens qui font des vidéos, genre, des fois, un peu, genre, sans. On fait un petit capture de flag, hein. Des fois, quand je regarde. Imagine Gotaga, quand je regarde des fois de ses vidéos, tu sais, quand il fait ses Sunday logs, là. Oui. Et bah, pourtant, il a des sujets précis, tu vois. Genre, il dit, bah, moi, je parlais de ça, 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 ça. Ouais. Et quand tu le regardes, comme il est en train de jouer. Et eh ben il parle, après il coupe, il fait attendez, je suis Ouais, mais concentré, il parle, il coupe. lui, bah après, je sais pas si tu fais un petit parallèle à moi, mais lui, Non, franchement, non, non, moi, je pas peux forcément, jouer c'est en comme un gros général. porc, je peux essayer de tryhard, parce qu'au final, oui, parler et jouer, c'est toujours plus dur, Ouais. tu te concentres moins, etc., donc tu fais forcément, pas forcément de bon gameplay. Et c'est pour ça que des fois, en fait, au final, je remarque que des gens m'écoutent. Ah ouais, non, je sais plus ce que je veux dire. Non, parce que il y avait Awox qui voulait jouer avec moi tout à l'heure, je l'ai invité mais il a pas de join. Ouais. Donc les gens, à part ça, je profite de vous le dire maintenant. Si vous voulez jouer avec moi sur Xbox 360 à Black Ops 2, envoyez-moi un message. Arrobase, non, que dalle du tout. iShotX sur le Xbox Live. Vous m'envoyez un petit message, genre invite-moi s'il te plaît, je sais pas quoi. Et puis à la fin de la partie, je vais arrêter la vidéo. Et puis après, je vous inviterai pour continuer le live, bien évidemment. Et on va prendre quelle carte? On va prendre quelle arme plutôt? La MSMC. Et à partir de là, je vous inviterai pour jouer avec moi. On fera de la domination. Et après, peut-être plus tard, je ferai quelque chose d'autre. On verra. Bref. Voilà. Typiquement, un truc qui m'énerve. Je disais quoi? Parce que j'ai parlé de là-dessus. C'était en train de petite parenthèse vite fait. Et maintenant, je sais plus de. Non, tu parlais des personnes qui pouvaient te rejoindre, et avant, tu parlais des gens, justement, comme tu viens de faire, genre, tu parles d'un truc, et après, tu parles d'autre chose, et tu oublies totalement ce que t'avais dit avant. Ce que tu viens de faire, là, en fait. Et au final, vous avez un exemple, voilà, c'était le petit exemple. Mais Oui, en ouais. fait, c'est ça, en fait, parce que quand t'as pas vraiment de sujet, en fait, quand t'as pas de sujet sur une vidéo, en fait, tu parles pas, en fait. Tu dis un peu tout et de rien en fait, du coup tu coupes.
Alors que quand t'as un sujet, tu te dis, bon voilà, il y a ça, 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 ça. Mais si généralement, un gameplay, si tu joues en même temps que tu parles, il n'y a pas vraiment de sujet, tu parles de tout et de rien. Par contre, si c'est un commentaire que tu fais genre après la vidéo, t'es genre Ouais, en différé. après que t'es tourné, bon, Ouais, en en différé, différé. voilà. Et ben, c'est là où les gens commencent à faire des parties avec des sujets parce que c'est beaucoup plus facile de se concentrer vu que tu Ah joues bah oui, pas. parce que quand tu fais un sujet, généralement, c'est toujours en différé, hein. Voilà. Ah oui, c'est clair. Alors que quand t'as pas de sujet, généralement les gens ils mettent une petite partie parce que si tu parles de tout et de rien, faut qu'il y ait un truc qui tourne derrière, quoi, tu vois. Je comprends. Alors que limite un sujet, tu peux t'ajuster à mettre des images ou des trucs comme ça, tu vois. Ça suffit largement. Alors que quand t'as pas de sujet, les images ça suffit pas parce que justement tu parles un peu de tout et de rien. Il faut d'autres choses. Pour ça, c'est beaucoup plus dur à tenir une vidéo sans forcément d'avoir de sujet dessus, alors qu'une vidéo avec sujet, tu sais de quoi tu vas parler, tu sais comment tu vas la faire ta vidéo. C'est ça Donc qui est du un peu plus coup, dur. pour répondre à la question clairement, faut-il avoir un sujet pour faire une vidéo en fait? Une Donc bonne vidéo? Non. ouais, une bonne vidéo non, Non, t'es pas mais obligé. en fait on peut quand même, en fait finalement, ce que tu me dis c'est qu'on peut faire une vidéo sans... Putain, à chaque fois faut que je mute à chaque fois manuellement, c'est relou ça. Là, tu regardes, par exemple, tu regardes un mec qui s'appelle Prime, qui est connu sur FIFA. Et ben lui, il a pas forcément de thème sur ses vidéos. Il joue, il raconte des conneries, tu vois. Et Ouais, pourtant, il ça gueule marche un très petit bien. peu comme KSI, etc. Non? Ouais, voilà, c'est Je ça. sais pas du tout, Et... hein, je dis ça parce que Non, KSI est très mais connu. il raconte un peu des conneries, il parle, mais il a pas vraiment de sujet sur ses vidéos, tu vois. Il joue juste à FIFA, il parle comme ça. Et pourtant, ses vidéos marchent bien. Donc, tu vois, c'est la preuve que t'as pas besoin d'avoir un sujet particulier. T'as juste à te filmer en train de jouer, à raconter des conneries, ça suffit largement, tu vois. Donc tu as l'exemple parfait, hein, finalement. Il y a des gens qui font... Bah, du coup, c'est la base de sa chaîne, finalement. Ouais. Parler de tout et de rien en jouant à FIFA. Voilà, à peu près. Ou à d'autres jeux, tu vois, même s'il joue Mais il pas qu'à fait des... FIFA. Est-ce qu'il fait des jump cuts? C'est-à-dire que Ouais. il fait des coupures. C'est comme une sorte de podcast, ce format-là, il joue, quoi. Ok. Mais il Donc en parle gros, pas il de... Il coupe les parle pas de... moments inintéressants en fait. Bah, en fait, il coupe... Généralement, il fait voir que dans les accents, tu sais, dans le jeu où il est en train de jouer, où il y a des accents un peu marrantes, où, tu sais, genre... Quand il tacle un mec, il fait espèce d'enculé, tu vois, enfin, des trucs dans le genre, tu vois. Oh, ça bug. Il cut que les moments intéressants en fait dans le match, et lui, yo, tu te sais, il fait des commentaires dessus, tu vois. D'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, tu es en train de me dire comme quoi, finalement, faire... Enfin, donc du coup, on n'est pas obligé de faire... Non, on n'est pas obligé d'avoir un thème pour faire une vidéo, mais pour toi, c'est toujours plus intéressant d'avoir un sujet pour une vidéo. C'est plus intéressant, on va dire que pour que la vidéo soit mieux construite, oui. Avoir un Oui, mais sujet, toi, c'est bien. personnellement, qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'on peut aussi venir à cette question, petite transition. Personnellement, qu'est-ce que je préfère? Ouais. J'aime bien les vidéos avec des sujets. Des sujets. Que tu sais direct D'accord. de quoi ça parle et du coup t'as pas besoin. Alors qu'une vidéo sans sujet, genre, ça peut très bien être une très bonne vidéo. Genre le mec il peut raconter que de la merde, mais tu le sauras jamais. Genre si le mec il met rien du tout, tu sais pas, tu sais, tu te dis ouais bah à la limite si c'est juste pour voir le mec le jouer, tu t'en fous, tu vois. Mais ça se trouve le mec dans la vidéo il va raconter plein de conneries, ça va être super drôle, mais tu le sauras pas, tu vois. C'est comme si tu mettais juste dans un live, tu peux mettre genre live drôle avec plein de t'sais, en disant plein de conneries, tu vois, tu peux mettre ça dans le Ouais. titre. Alors Ouais. que si tu mets juste live tout court, les gens ça va pas leur donner envie de venir et du coup ça trouve parce que eux ils pensent que t'es un mec coincé, qui parle pas, qui dit rien, tu vois. Et du coup ils veulent pas savoir si t'es un mec comment t'es, tu vois. Bah là c'est Ouais. pareil. Donc c'est À mieux part d'avoir ça, une vidéo avec un oui. titre pour savoir de quoi la vidéo va parler. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est un choix comme un autre. D'ailleurs, je t'en ai parlé, mais je m'en suis même pas rendu compte. KSI, le pionnier de FIFA. Le pionnier du... Enfin, peut-être pas le pionnier, quand je dis pionnier, c'est vraiment Ah, c'est que c'est le king là-dedans. Il a, il me peut-être semble, encore. peut-être, je pense, bientôt 7 millions d'abonnés, 6 millions de sûrs. C'est Et ça. le mec, en Et fait, comme. ses vidéos, il fait que de gueuler. C'est marrant, moi j'aime bien ses vidéos. Comme PewDiePie, finalement. PewDiePie, presque 30 millions d'abonnés maintenant. 29 millions 800 000, j'ai pu regarder tout à l'heure parce que j'ai vu une vidéo qu'il a sortie que j'ai beaucoup aimé. Bah en fait le mec joue en live et en fait finalement ne parle d'aucun sujet. Et en fait finalement les chaînes qui marchent le mieux En c'est fait, les... ouais, mais c'est comme Prime, comme je te parle. En fait, tout ce qu'il fait, c'est dire ce qu'il y a à l'écran. Enfin, il dit pas ce qu'il y a à l'écran, genre il se moque un peu de ce qu'il y a dans le jeu, tu vois. Et genre, il dit, regardez ce mec avec une tête de cul. En fait, il parle un peu du jeu, mais en se moquant, tu vois. Ou en racontant un peu des conneries, tu vois.
C'est ça en fait, c'est sur toutes les vidéos tu racontes un peu des conneries, t'as pas vraiment de sujet. Genre tu vois Squeezie, toutes les vidéos qui marchent, c'est des Ouais, petites bah histoires ouais, sans lui aussi. sujet. Lui aussi, toutes ces vidéos, Y a pas de sujet en fait, y a pas de sujet. il dit en fait le sujet c'est le jeu en fait. Et le jeu en gros c'est en fait le sujet de la vidéo c'est se foutre de la gueule du jeu, tu vois, il fait des vignettes avec qui ont plus ou moins rapport avec le jeu. Et en fait le but c'est de se foutre, c'est de passer un bon moment sur le jeu, se foutre de la gueule Voilà, du jeu. de passer un bon moment. Non, Voilà, c'est ça, voilà. ça c'est vraiment le résumé. Passer un bon moment. Généralement, ça, c'est un peu plus fun, c'est un peu plus décontracté qu'une vidéo organisée, parce qu'organisée, limite, tu lis du texte, quoi. Alors que quand t'as pas de sujet, là, bah, t'es un peu plus décontracté, genre comme toi, là, maintenant. T'as pas vraiment de sujet, justement, Bah non, justement, c'est le but de la vidéo, c'est de pas la avoir de vidéo. sujet pour parler de ça en fait. Ah, bah, Donc au final, mon sujet, c'est la question, mais grossièrement, non, là, j'ai pas de sujet. C'est ça. Mais on se comprend dans ce que j'ai dit, n'est-ce pas? C'est paradoxal, parce que j'ai pas de sujet, mais je parle d'un sujet précis qui est la question du sujet. Bref, vous avez compris. Philosophie, tout ça. Très philosophique tout ça. À part ça, c'est sale ce que je suis en train de faire, je suis en train de produire. Je vais finir la game. Ça se fait pas de faire ce que je fais. J'ai spawn kill, à part ça, je m'en rendais même pas compte. C'était vraiment très sale ce que je faisais. Finissons la game. C'était du mal propre ce qu'on faisait. Donc, je vais juste lire quelques petits commentaires qu'on m'a postés et que j'ai pas forcément lu parce que justement, je voulais pas t'interrompre. Alors. Donc, Advanced Warfare, qu'est-ce que j'en pense? On va y revenir juste après. Putain, je dois refaire une troisième game tellement qu'on parle. Merde. Une quatrième même. Tu connais Code Jordan? Oui, je connais Code Jordan. Pas en vrai, mais je le connais de YouTube. Le mieux en différé avec un bon sujet. Voilà, quelqu'un qui veut vraiment un bon sujet. Donc, il préfère ça. Après, moi, personnellement, si je devrais répondre à la question, et je vais répondre à la question. Moi, je suis PewDiePie. Je suis pas Squeezie parce que il m'énerve. Ses vidéos me saoulent. J'ai suivi un temps. Je suis KSI. Mais après, c'est vrai que je sais pas quoi choisir. C'est vrai que c'est con ça. À part ça, je vais inviter les gens qui voulaient que je leur invite, T'as juste à s'ils m'ont regarder envoyé des les mecs, il messages. faut qu'ils marchent le mieux sur YouTube. C'est Ouais. des mecs qui font des vidéos sans sujet. Genre où ils racontent des conneries sur la vidéo, ils peuvent te parler de n'importe quoi, tu vois. Ouais. Ça, le Mais au meilleur final, type tu vois, de PewDiePie, vidéo. moi, bon, je regarde pas toutes ces vidéos à PewDiePie parce qu'il y a des vidéos qui m'intéressent pas forcément. Mais PewDiePie, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est comme KSI, j'adore ses vidéos. KSI, enfin, j'adore. Je les regarde, quoi, j'aime Après, tu peux bien. mettre des titres pour présenter la vidéo, genre ce que tu vas faire, mais pas des sujets du style alors aujourd'hui on va parler de. Non, c'est sur leur vidéo, c'est plutôt genre un pack opening ou tout ça, c'est ce qu'ils vont faire dans la vidéo. Tu vois ou pas? Et c'est pas ce Ouais. qu'ils vont de quoi ils vont parler, c'est ce qu'ils vont faire. C'est différent de ce que tu vas faire et de ce que tu vas parler. C'est différent. Putain, c'est relou, il peut pas te join. Moi, je vais le dire vite, moi. Tu peux très bien parler de, je sais pas moi. D'un film en faisant des pack opening, tu vois. Non, parce qu'en pack opening, tu parles quand même des cartes que tu ouvres, tu vois. Ouais, mais tu parles, Ah non, pack opening. Ah oui, des cartes que tu as, etc. Donc, ouais, moi, je pense que finalement, je vais quand même répondre avec un bon sujet. Parce que... Ah ouais, impossible à accepter. Ah ouais. Bon. Bah... Je vais répondre moi non plus, et puis je repars solo. C'est quoi ça? Merde, j'ai fait avec les voix. Non, c'est pas ça, j'ai pas de micro de toute manière. C'est vrai qu'il y a un bon petit sujet, genre comme Advanced Warfare, quand j'ai pu voir la vidéo de V12, on sait de quoi on parle. Et puis c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui... Bah, personnellement, j'ai bien plu. Ça m'a bien plu parce qu'il l'a fait en différé. Et moi, je trouve ça toujours plus plaisant aussi en différé qu'en live. Parce qu'en live, comme Gotaga il fait, ça m'énerve. Parce que des fois, je me dis, putain, accouche là, je veux savoir ce que tu veux dire, bordel! C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Ouais, franchement. Ouais. Ouais. Ça le problème en fait. Bon, là, j'écris en mode sauvage, hein. Je suis désolé. Ça me fait chier d'écrire un clavier avec ce clavier du Et machin je sais dégueulasse. jamais pourquoi les mecs quand ils sortent une vidéo, imaginons. Quand ils font une vidéo, et à chaque fois ils te mettent sur Skype, genre t'es les mecs connus, genre nouvelle vidéo demain, un truc. Soit c'est Ouais. parce qu'ils l'ont pas fini de la monter, tu vois.
Soit des fois on dirait qu'ils ont fini de monter la vidéo, genre ils ont même 2-3 vidéos d'avance déjà toutes montées, et si tu les as déjà d'avance, pourquoi tu les sors pas? Alors à moins que tu vas en sortir une toutes les 2 semaines pour que les gens aient le temps de Est-ce voir que et tu tout veux ça. savoir pourquoi? Et Quand quoi? un Cyprien et Norman font ça, c'est un rapport financier. Ils n'ont pas besoin de le dire, tu le sais automatiquement. Les mecs qui font l'équivalent d'une vidéo par mois, plusieurs millions de vues par mois, plusieurs milliers d'euros par mois. Et du coup, les mecs, s'ils les sortent trop rapidement, leurs vidéos, et ben en fait, il y aura, ça se trouve, il y aura un moment où en fait, parce qu'ils font l'équivalent d'une vidéo par mois, c'est-à-dire que. Du coup, ils gagnent que dalle, les mecs. Bah, ils gagnent énormément. C'est quoi, ils font. Cyprien, bon, lui a une chaîne gaming en plus, mais donc il se fait aux alentours des 20-25 000 balles par mois. Mais un Norman qui lui n'a pas de chaîne gaming, etc., et qui fait que des là, Norman, rien qu'avec ses vidéos, il se fait à peu près entre 7 et 10 000 euros par mois, à peu Ouais, près. mais non, parce que c'est chaud parce que ces vidéos elles font pas 7 millions de vues alors, Norman. Hein. Non, Elles mais font quand tu moins. regardes les autres vidéos, qu'il faut, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, à part ça, on va Ouais. partir sur un. Qu'il confirme, mais changeons de mode à nouveau. Donc c'est la dernière partie les gens, parce que sinon la vidéo va être super longue. Et à part ça, pour Advanced Warfare, j'en ferai, je referai, je vais couper cette vidéo après et je vais refaire une vidéo live pour parler d'Advanced Warfare, juste d'Advanced Warfare le temps d'une partie. Voilà, comme ça ferait deux vidéos Black Ops 2, vu qu'avant là on me demande, tu vas faire un long live. En général oui, la vidéo va être longue aussi. Et putain, je crache sur ma console. Très bien. Et puis là, on va repartir un petit peu. Bref. Quand tu referas un live sur Black Ops 2, j'ai pas. Je sais pas encore. Mais en tout cas, le live n'est pas fini de suite. Hein, et. Ok, la game c'est pas mal entamée. Bref, on va terminer quand même là-dessus. Je m'excuse. Qu'est-ce que je disais? Vraiment, je rigole pas là. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de. Advanced Warfare, t'as fait un nouveau live. Juste avant? Juste avant? C'est Juste tout? avant ça. C'est tout? Mais si, avant j'ai un autre truc. Je te jure, je disais quoi, mec? Même toi, tu sens plus, t'es sérieux. Tu parlais de... On parlait de... Il est quoi? Hey, les gens, dites-moi en commentaire ce qu'on parlait. Je me souviens plus du tout de ce que je disais juste avant. On faisait une tête, non, tu parlais, tu sais que tu faisais des très longs, des très longs lives, que celui-là Mais il était non, plus ça long et tout ça. c'est. Après, il y avait la vidéo, on parlait aussi de Gotaga qui arrêtait pas de parler, qui coupait à la pa qui à chaque fois qu'il était, genre il parlait pas correctement, en gros, il coupait à chaque fois qu'il parlait. Tu parlais de Levé12 qui faisait des vidéos qui étaient bien, genre il parlait en différé. PewDiePie Bon. aussi, tu parlais du salaire de Cyprien et tout ça. Bon, Ça, bref, peut-être on même va un tout mal. simplement partir du principe qu'au final, les meilleures vidéos sont les vidéos à thème, en différé, Et les plus vus, et les plus divertissantes ouais, c'est excellent thème. sont les vidéos en jump cut, Centaine. jump cut live. Centaine particulier. Mais le délire, c'est qu'il faut savoir si tu veux une vidéo intéressante ou qui plaît. Divertissante. Ou divertissante. Intéressante ou Divertissante. divertissante. Moi, je préfère Divertissante. avoir une vidéo divertissante parce que du coup, divertissant, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent, tu vois. Tu vois? Même, mais pas forcément par ce côté-là, par le côté, tu vois, tu veux passer un bon moment. Bien évidemment, t'as les lives, mais t'as aussi les vidéos. Moi, ma télé, maintenant, c'est les vidéos YouTube, à part ça, hein. Je sais pas toi, je sais pas vous, les gens, mais moi, maintenant, ma télé, c'est les vidéos YouTube que je regarde. Et justement, avant, quand je regardais les vidéos, non, quand je regardais la télé, c'était pour me divertir. Maintenant, j'ai arrêté parce que je regarde. Bah, il n'y a plus de divertissement, en fait, on regarde des pubs. Et justement, maintenant, pour regarder des vidéos divertissantes, eh ben, je vais sur YouTube. Et les vidéos divertissantes, bah, moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder, comme je l'ai dit, KSI et PewDiePie, qui je trouve très divertissant. Après, je trouve tout autant divertissant les vidéos différées à sujet, car c'est moins interactif. Non, c'est même pas du tout interactif au final, parce que c'est des vidéos. Mais. C'est plus informatif que des. C'est plus informa. C'est Voilà, t'as plus plus d'informations. sur de l'information que sur du On divertissement sait, on informatif. sait, on tape dans quoi. Et Voilà. Divertissement, et c'est le but, c'est de faire rire les gens. Alors que les vidéos comme ils font voir sur Advanced Warfare et ça, c'est plutôt de l'information. C'est pas forcément pour te divertir, c'est juste pour te dire que ce qu'il y aura prochainement dans les nouveaux jeux qui vont sortir, tu vois. ouais. Juste ça, c'est de l'information. C'est pas censé être drôle ou marrant, tu vois. C'est plutôt côté professionnel en fait qu'ils essayent de Vraiment. faire. Je suis d'accord avec toi. Alors, Voilà.
Après, tu peux mélanger un peu les deux, genre raconter un peu de la merde pendant que tu parles du jeu, mais. Oui, mais à partir de là, ça commence à te faire passer pour un con, donc à ne pas être crédible, et donc au final, Après, ça t'es passe. Après, quelqu'un tu qu'on va de passes moins en moins suivre, tu une vois. fois, deux fois, ça va, mais après, si tu le fais tout le temps, ça devient relou, hein. Bah non, c'est même pas ça, c'est que au final, tu de la merde, enfin, ça dépend comment tu veux dire ça, de la merde. Mais en tout cas, la réponse à ma question, je l'ai déjà dit, mais c'est la conclusion car la game est en train de se terminer. La conclusion est. Ah, on a perdu! Merde, je pensais qu'on avait gagné. Ah, bah oui. La conclusion est que bah, les vidéos les plus divertissantes sont les vidéos jump cut en live. Les vidéos plus informatives, ce sont les vidéos en différé sur un thème particulier. Et puis, la réponse est que non, nous ne sommes pas obligés de faire une vidéo à thème. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, très heureux de faire cette vidéo, malgré que je la fais une deuxième fois. Malgré que quand même préféré la première fois parce que c'était vraiment plus interactif et que bah, il y a eu 2-3 petites surprises in-game, n'est-ce pas? Du fait que j'ai un peu de qui est rentré dans ma chambre, qui a fait le foufou, blablabla, etc. etc. Bref, voilà, hein? Moi je voulais bah, remercier le petit Rench qui était bah, qui a pu interagir un petit peu à cette vidéo-là. Et tout simplement, bah, je vous invite à aller regarder un petit peu les créations qu'il m'a fait, dont l'animation en bas, dont le cadrage de ma tête ici, dont mon background Twitter, mon background Facebook, et d'autres petites choses que vous verrez soit seulement sur mes lives, soit à l'avenir sur ma chaîne, comme mon background pour League of Legends, bref, plein de choses. Donc merci petit Range, c'est très gentil de ta part. De rien. Et puis voilà, n'hésitez pas à le suivre sur Facebook et à vous abonner à sa chaîne Gamer Connection aussi pour regarder ses live graphismes. Donc ce sera tout dans la description. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour ma vidéo soit Wolfenstein, soit ma vidéo, ma pensée sur Advanced Warfare, des vidéos que j'ai vues. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense que ce sera la prochaine vidéo que je vais vous proposer. Et puis, bah sur ce, on se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!